formation, donc c'est une formation professionnalisante qui est sur un an. C'est une formation qui est dispensée à la fois à l'université, donc sur des cours théoriques, comme la scénologie, la dramaturgie, le décor et le costume de cinéma, l'histoire et la sociologie du costume. Certains de ces cours sont assurés par des enseignants du lycée Paul Poiret, d'ailleurs, d'autres par des professeurs d'université. Et dans un deuxième temps, nous avons aussi dans cette formation donc des workshops en conception costume théâtre et d'autres en conception costume cinéma. Donc, ils ont 350 heures de stage obligatoires dans les deux domaines, cinéma et théâtre. Ça peut être, quand je dis théâtre, c'est spectacle vivant, hein. Ça peut être les arts de la rue, la scène, l'opéra. Et en cinéma, ça peut aussi, bien sûr, être sur des séries télévisées, sur, pourquoi pas aussi, sur la conception de jeux vidéo. Les profils que nous recherchons pour les étudiants candidats à la licence pro sont assez multiples. Nous avons des étudiants, à la fois des étudiants qui ont une formation déjà technique, de couture, de coupe, comme un DMA, un DMAD. Certains ont fait une formation pour être habilleur. Et puis, on a aussi des étudiants qui ont une formation, entre guillemets, uniquement théorique, mais peut-être plus orientée théâtre, comme donc ça peut être des étudiants qui ont une formation universitaire et qui ont un intérêt, une appétence particulière pour le costume et la conception costume. Alors, nos futurs diplômés sont destinés à être des concepteurs, des designers costumes dans les arts du spectacle, mais aussi dans le cinéma et l'audiovisuel. Donc ça, c'est l'objectif. Dans un premier temps, ils vont évidemment commencer à travailler comme assistants dans ces domaines-là, soit dans des équipes costumes cinéma, soit à la conception ou dans des équipes costumes théâtre ou opéra.